c'est le clown. Oh là là, non, qu'est-ce qui se passe? J'ai gagné. Bonjour, j'aimerais rentrer dans l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je ne suis pas un doppelganger, je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Tout va bien sur mon apparence, elle est normale, hein? Un énorme merci à tous les membres hors de la Super Max Family. Bisous. Hey, comment allez-vous les amis? Moi c'est Max et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur That's Not My Neighbor. Ce n'est pas mon voisin. On va refaire le mode cauchemar puisque ça vous avait beaucoup plu. On va essayer d'affronter le clown à la fin. J'ai encore pas gagné, donc si ce jeu vous plaît, si vous voulez plus de vidéos là-dessus, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifs, et c'est gratuit, profitez-en. J'ai quelque chose à vous montrer. Yeah. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un vinyle très spécial que j'ai découvert dans ma collection. Enfin, je l'ai pas découvert, je savais que je l'avais, mais j'ai découvert qu'il y avait un véritable phénomène autour de ce vinyle et qu'il coûtait très cher à la revente. Je m'approche, vous allez le voir. Il s'agit d'un vinyle de Taylor Swift, hein, vous voyez, j'en ai pas mal. Et il s'agit tout particulièrement de celui-ci. Je le sors et je vous le montre. Il est là, encore dans son emballage. Je les ouvre comme ceci, moi. Donc là, le plastique a un peu, je sais pas, il s'est plié. En tout cas, c'était un vinyle qui était sorti lors du Record Store Day, donc un vinyle en édition limitée. Et c'est la bande originale, eh bien, du documentaire qu'elle avait sorti sur Disney+, tout simplement. Donc ça s'appelle Folklore, The Long Pond Studio Stations. Et apparemment, je vais vous donner le prix après, à la fin de la présentation. Mais j'ai halluciné. Moi, je l'ai acheté au prix normal, hein, pas de problème. Quand il est sorti, il y a deux vinyles, il y a beaucoup de chansons. Regardez, c'est sympathique, hein, tout en noir et blanc la pochette. Je vous les sors car ils sont colorés. Il y a une photo de Taylor comme ça avec son casque, hein, prête à enregistrer ses chansons. Et à l'arrière, eh bien, les crédits des chansons avec d'autres petites photos sympathiques. Et les vinyles sont emballés dans des pochettes comme ça, mi-papier, mi-plastique. Le voici, le voilà, très joli. Ça, c'est le premier vinyle. Le deuxième est pareil, donc je vais pas vous le montrer. Ce sont des vinyles gris, tout simplement, hein, gris comme ceci. Voilà, c'est tout, c'est sympathique. Mais alors, à votre avis, combien ça coûte à la revente actuellement? Eh bien, ça coûte entre 300 et 500 euros. Oui, entre 300 et 500 euros, ce double vinyle, voilà, parce qu'il est en édition limitée, parce que c'est Taylor Swift, parce qu'il est introuvable, rare, etc. Écoutez, je ne le savais pas. On découvre des pépites, hein, dans sa collection, des fois, c'est assez fou. Alors, dites-moi si vous avez des vinyles un peu comme ça, rares et qui coûtent cher, et surtout, si vous metteriez ce prix pour un vinyle, moi, je vous le dis tout de suite, c'est non, non, jamais. Et je vous conseille de ne pas mettre ces sommes-là pour un vinyle. Et maintenant, back to the video. Et n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, je lis 3 commentaires, oui, de vous. Nouveau sur le menu, That's Not My Neighbor. Pour l'instant tout va bien, mais quand on va cliquer sur le mode cauchemar, alors là on est complètement dans une autre ambiance. Il y a des yeux ici, il y a lui qui nous dit, bah vous connaissez, hein, les règles, il nous aide pas du tout. Il y a des taches de partout, il faut faire très attention au moindre détail, il faut vraiment être parfait dans tout. On n'a pas le droit à la moindre petite erreur. On y va. Donc le logo, DDD, tout va bien. 1268, pour l'instant, ça va. Abducius Moreil. Il m'a donné tous ses papiers. Est-ce qu'il est sur la liste? Oui, ça c'est déjà très bien. Et il habite premier étage, troisième appartement. Le logo ici, tout va bien. Il est parti pour mutiler les gens. On apprécie beaucoup. On va voir si c'est son métier. C'est un mutilateur, donc c'est normal. Donc Abducius Moreil, on vérifie. 76 37 64 76 37 64, Abducius Moreil, c'est bon. 74 86 75. Bon, la pièce d'identité, elle est bonne. Vérifions l'apparence. Il a une cicatrice sur le nez. Tout à fait. Il a des piercings, hein. Oui, il en a là. 1, 2, 3, 4. Il en a ici, sur le menton. Il en a dans les yeux. Nanani, nanana. Ensuite, il a les paupières complètement comme ça. Ça fait très peur. Et il a un grand sourire. Voilà, pour moi, tout va bien. Ici, le logo, tout va bien. Là, le tampon, tout va bien. On va vérifier, on va appeler au 5513, mais normalement, il est pas là. On décroche, monsieur. Bonjour. Il y a personne. Bon, moi, je pense que c'est le bon, hein. Donc, tac, on commence. Et je pense qu'on a un bon pour commencer. Tout allait bien au niveau de son apparence, je pense. On vérifie. Normalement, on n'aura pas les mains. Voilà, c'était un bon. On commence bien. C'est parti. Bonjour humain, bonjour vous. Vous appelez comment? Barbatous. Le logo, il va bien. La date, elle est bonne. Ici, le logo, il va bien. C'est un résident, il a été chassé des humains. On va vérifier si son métier, c'est chasseur d'humains. Chasseur d'humains, très bien. Barbatos Barabam, avec deux R. Hein. Barbatos Barabam, avec deux R, très bien. Et ici aussi, l'orthographe Barbatos Barabam, tout va bien. C'était juste une vérification, monsieur, hein, ne vous inquiétez pas. 89, 66, 89. Oui, 88, 69, 89, c'est ça? C'est ça. Il a 15 cornes. Alors là, c'est parti pour compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Ah, attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Barabos, barabam, il te manque une corne. Elle est où ta corne? Alors on va lui demander. Elle est où ta corne? Apparence. Donc ça va, mais l'apparence. Oui? T'es aussi beau que toujours? Mais il se moque de moi, lui. Allez hop, bim! Voilà. Ouf! Merci d'avoir nettoyé, monsieur. Je vous en suis reconnaissant. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, on essaiera de tuer d'un innocent juste pour voir. Hein, on fera constamment le DDD juste pour voir ce que ça va faire au niveau de la tête. Barbatos Barabam. La date est bonne, le logo est bon. Ici, le logo, il est bon. Et... ok, Barbatos Barabam. On compte déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors déjà, vous avez toutes vos cornes, hein. Formidable. Ensuite, non, premier étage. 89, 66, 89, je crois que je vais pas compter. 88, 69, 89, oui, c'est bon. 15 cornes, c'est bon. Un petit nez comme ceci. Oui. Il a deux tatouages, on les voit là, 1 et 2. Ouais. Sur la carte d'identité, il en a deux aussi. Et ici, il en a deux aussi. Ensuite, il a des grandes dents et des petits yeux. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Ma foi, il a l'air d'être super bon. Par contre, il n'est pas sur la liste. Alors, on va lui demander. Non. Tu n'es pas sur la liste parce que tu as eu une chasse d'urgence. Alors, bah, quand c'est comme ça, moi, je préfère appeler le 2668 et vérifier. Hein. Hop. Et... Exaël, est-ce que Barbatos est là? Très bien! Eh bien, moi, je crois que c'est le bon. Je crois que c'est le bon. Donc, ça. Oui, bon, bah, allez, c'est parti. Merci! Ne me tue pas, s'il te plaît. J'ai fait confiance à ton apparence. Yeah! Bon, ça va. Pour l'instant, on commence bien la partie. Bonjour, non mortel. Tu es sur la liste. Xezbet, Xerbet. Faut bien vérifier. Le logo, il est bon. La date, elle est bonne. Xezbet, Xerbet. Ça, c'est bon. Ensuite, ici, Xezbet, Xerbet, c'est bon. Le logo, il est bon. C'est un résident, il habite premier étage, premier appartement, c'est facile, c'est ici. Donc, c'est un mangeur d'âmes. 33, 25, 69. 33, 25, 69. 94, 59, 68. 94, 59, 68. Okay. Il a une cicatrice sur le crâne. Oui. Ensuite, il a un tout petit nez comme ceci avec deux petits poils qui sortent. Oui. Ensuite, un grand sourire. Oui. Ensuite, deux tatouages, un ici sous l'œil et un ici. On vérifie, c'est exactement ces tatouages-là. Et ensuite, il a une cicatrice sur la joue gauche, oui. Écoutez, pour l'instant, tout va bien pour moi, sauf que on va quand même appeler au 1152 pour vérifier, parce que c'est là où je me plante. Drugia, est-ce que Xerbet est là? Non? Très bien. Bon, alors, les yeux. On est d'accord, sont les mêmes. Les petits yeux, comme ça, machin. La cicatrice, les tatouages, le nez, le sourire. Ici, le logo, ça me gratte. Ah oui, c'est toujours le stress, hein, voilà. Ici, c'est bon. La date, c'est bon. La photo, c'est bon. Les petits cheveux, tac, tac. Bon. C'est parti. J'espère ne pas avoir les mains. Pap, 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 pas les mains. Pap, 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 pas les mains. Ah, mais quoi? Pardon, vous l'avez vu. Elle était là, la cicatrice. Alors, peut-être que c'était pas la même cicatrice, j'ai pas fait gaffe. On regardera. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Trois fois. Tu veux quoi, toi? Bah, ça dégage, ça, 3312. Oui, j'ai contacté les... Oui, voilà, merci. On y va. What? Trois fois. Donc, visiblement, appeler le DDD ne la déloge. Bon, pff, allez, hop, rentre. Ah, tant qu'on y est, c'est parti. Qui c'est? Je comprends rien. Faut que tu rentres trois fois? Elle s'appelle comment, elle, en plus? Oui, bah j'ai compris, trois fois, voilà, tu rentres. Je vais pas me faire attaquer quand même. Ah, fallait 43 fois, tout simplement. Bonjour, est-ce que vous êtes sur la liste? Nope. Alors, on va vérifier. Yog Sotot. Le logo, il est bon. La date, elle est bonne. Ici, le logo, il est bon. Il habite deuxième étage, quatrième appartement. Yog Sotot avec 2TH. 2TH, ok. Ici, 2TH, très bien. La pièce d'identité, 68 95 44. Oh. Ah. 68 95 44 68 95 47. Dis donc, monsieur, ce n'est pas une bonne carte d'identité, ça? Non, elle n'est pas parfaite. Alors, bonne nuit. C'est une fausse pièce d'identité, donc c'est un doppelganger, clairement. Oh, bonjour, Freddy. Il est là, Orcus Dispateur. On vérifie. Orcus Dispateur, 1167, c'est bon. Le logo, il est bon.
Ici, le logo, il est bon. Orcus Dispatter, c'est bon. Il habite 3e étage, 1er appartement. 63-25-25, 98-49-64. Très bien. Il collectionne les peaux. La peau des gens. Alors, il porte un masque. Oui, bien sûr. Il a des yeux lumineux, bien sûr. Un long sourire et une peau sombre. Le long sourire, oui. On va vérifier en appelant chez lui, au 1425. Pardon. Yann Luo, est-ce que Dispatter est là? Orcus, pardon. Non, très bien. Eh bien écoutez-moi, je crois que tout va bien. Oui. Pip, pip. Bonne journée. Amusez-vous bien. Ça fait plaisir de faire son travail correctement. Personne suivante. Bonjour à vous. Vous avez eu un clone qui est venu l'autre fois. Hein. Le logo, il est bon. La date, elle est bonne. Le logo, il est bon. Le nom, il est bon. J'ai pas vérifié le nom ici. Oui, il est bon. On va vérifier. 68-95-47. C'est parfait, c'est un vampire. Est-ce qu'il nous parle de son métier? Pardon. Non, mais bon, c'est un vampire. L'apparence. Long nez et un anneau dans le nez. Oui, c'est ça, tout à fait. Il a les yeux un peu comme ça. Oui, je les vois. Il a des cheveux courts et des dents qui sortent. Il a les pics. Et... Écoutez, pour moi, ça va. Juste, t'es pas sur la liste, mon petit coco. Il doit y avoir une erreur parce que je devrais être sur la liste. Eh ben, moi, je vais vérifier. Hein. Je vais appeler le 1346. Allez. Alors, Quatchil, est-ce que votre ami est là? Non. Merci. Bon, bah écoutez, tout va bien. C'est juste que t'es pas sur la liste. Je revérifie quand même. Allez, c'est bon. Tu rentres. Cordialement. Ne m'attaque pas, s'il te plaît. C'est un vampire, mais quand même. Allez, personne suivante. C'est une blague. Mais c'est exactement les mêmes yeux. Mais ce jeu, il a trop de bugs, hein. Waouh, on l'a jamais eu, lui. Oh, il est sur le Shognarphone. On l'a jamais eu. Shognarphone, la date, c'est bon. Le logo, c'est bon. Ok, premier appartement du 2e étage. Shognarphone. 45-69-89, 63-23-68. Ok, le logo, il est bon. On vérifie maintenant l'apparence. Il a une trompe. Ouais. Un tatouage qui est sur son crâne. Ok. Deux défenses. Et des grandes oreilles. Oh oui. Sinon, il a des petits points ici, des boucles d'oreilles. Ok. Bah. Ok, on va quand même appeler le 51-23 pour vérifier, mais je pense que ça va être bon. Nyogta, est-ce que ton mari est là? Non, bah très bien. Bim! Bonne journée! C'est pas possible, je suis nul. C'était une fausse trompe. Bonjour, toi non plus j'ai jamais eu. Yan Luo. Alors, Yan Luo, le logo, il est bon. La date, elle est bonne. Tac, tac, boum. Le logo, il est bon. Bababim. Alors, elle habite 3e étage, 1er appartement. Yan Luo Wang Diyu. 79-86-54. Ok. 29-84-66. Ok, c'est une princesse de la mort. Super. Tout petit nez. Elle a des dents dans les joues. Ok. Sur ses boucles d'oreilles, c'est bien le bon symbole. Elle a cinq dents. Ok. Ensuite, elle a des petits sourcils fins. Oui. Elle n'a pas de pupille. Oui. On voit bien qu'elle a les yeux tout blancs. Et elle a des dents pointues. Alors, on va lui parler. Ok. Elle a les dents pointues. Bon, bah vérifions quand même. Hein. 14-25. Personne. Bon, allez, hop, ça suffit. Bam, bim, bim, bim. Tac, tu rentres. Ok, y a pas de bug, très bien. Bonjour, Tetataranis, toi la dernière fois tu m'as fait la misère. 6-63, le logo il est bon, la date elle est bonne. Ok, ici le logo il est bon. Résident, 3e étage, 3e appartement. Tetataranis, c'est bon. Tetataranis, ici l'orthographe Tetataranis. La date, plutôt le chiffre ici, c'est 78-95-86. 41-32-94. Ok, donc ça c'est bon. L'apparence, il a des tatouages. Alors on vérifie les tatouages. On est d'accord, on va reprendre parce que la dernière fois c'est ce qui m'avait... D'accord. En haut, il a deux tatouages vers le bas au-dessus de chaque œil. Bon, ensuite, ici c'est une sorte de flèche qui pointe vers le bas mais qui pointe vers le haut aussi. C'est exactement la même. Ensuite, on a deux flèches vers le haut. Exactement les mêmes. Et un espèce de clou là. C'est ça. Il a un regard sérieux. Oui.
Il a un long nez. C'est exactement le même. Il a des dents pointues. Bah écoutez, on va lui demander, hein. Voilà, il a les dents pointues. Et il a des longs cheveux. Oui. Et il est sur la liste. Oui. Donc pour moi, tout va bien. On vérifie au 42-42. Je veux rien savoir. Apuche, est-ce que t'es là? Bien, merci. Allez, bah du coup, je le fais rentrer. Bien sûr. Au revoir. Bien, pas de problème. Il lui manque son nez à lui. Ah, je le vois direct. Non? Déjà, il manque sa pièce d'identité. Mais il avait pas un nez. Attendez. Je comprends pas son nez, là. Il y a un truc. Attendez. Premier étage, troisième appartement. Ah non, ça a toujours été comme ça? Ok. Bon, là où ta pièce d'identité? Dis donc. Ah bah, merci. Il manque un trait. Il manque un trait. Elle est pas bonne. Ouais, elle est pas... Bah, t'as déjà répondu, mais moi, je t'envoie au nettoyage. Allez, hop, c'est nettoyé tout ceci. Bonjour, messieurs, vous me faites très peur. Il y a un truc qui va pas dans sa tête, je sais pas. Dagda Chrome Cruache. Dagda. Alors, le logo, tac, tac, la date. Dagda Chrome Cruache. Cruache. Il habite où, lui, déjà? On vérifie. 3-4. Chrome Cruache, non, c'est ça. 96-58-45. 86-32-19. Ok. C'est un... Il fait peur aux âmes. Ok, c'est bon. Oh, fou. L'apparence. Il a un chapeau. Il est là. Ensuite, il a la bouche cousue. On est d'accord. Il a une grosse tête. Oui, je veux pas être désobligeant. Et il a un masque. Oui. Était-il sur la liste? Nope. Donc, t'es pas sur la liste. Tu as dû faire des... D'accord. On va vérifier en appelant chez toi 4258. Izanami, est-ce que ton mari est là? Non, ça m'arrange pas. Bon, bah pour moi, tout va bien. C'est juste qu'il est pas sur la liste, donc on le fait rentrer. Oui! On l'a pas déjà fait rentrer, lui? Attendez. Ou alors c'était la partie d'avant? Je sais plus. En tout cas, elle est où ta pièce d'identité, dis donc? Du, Orcus! Hop, hop, hop! Alors, y a un truc qui va pas sur ta pièce d'identité, c'est pour ça, non? Orcus Dispater. Il habite où déjà, celui-ci? 3-1. Hop. Orcus Dispater. 63-25-25. 63-25-25. 98-49-64. 98-49-64. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il habite là. Ok, il est sur la liste. Il habite sur la liste. On vérifie son apparence. Un masque, des yeux brillants. Masque, yeux brillants. Long sourire et peau foncée. Oui. C'est ça. On appelle le 14-25. Yann Luo, est-ce que Dispater Orcus est là? Non. Hop, chercher des erreurs. Là où il n'y en a pas, pour moi, il n'y en a pas. Voilà. Alors, personne suivante. Bonjour, à vous, je vous connais. Est-ce que vous êtes sur la liste? Bien sûr. J'ai tué un de vos clones tout à l'heure. Cette fois, le logo est bon. DDD, 3 bar, 1268. La date est bonne. Abducius Morel, ici. DDD, tout va bien. Abducius Morel, tac. Il habite au 1-3. 76, 37, 64. 76, 37, 64. 74, 86. 75, c'est un mutilateur. Bon, ça me dit pas hein, quel est son métier, mais bon. Il a une cicatrice sur le nez, correct. Il a des piercings. Là. Tout va bien, c'est exactement comme sur la photo. Il a les paupières là, zoup, comme ça. Et il a un grand sourire. Pour moi, tout va bien. Vérifions, bah, tout à fait, hein, le 55-13. C'est peut-être parce qu'ils sont sur la liste. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi, t'es sur la liste et tout. Donc, comme pour juste avant, c'est bon. Alors, bonjour. Ah ouais, peut-être que la trompe n'était pas attachée, effectivement. Elle n'était pas bonne tout à l'heure. Il est sur la liste. Par contre, les yeux, non, c'est bon. Alors, monsieur. 3-3-11-61. Chognarfogne. Pour moi, tout va bien. Ici, le logo, il est bon. Il fait des rituels occultes. Vérifions. Ok, il fait des trucs occultes. Il a une trompe. Elle est là. Ensuite, un tatouage. Ici, sur le crâne. Il est là. Ensuite, il a deux cornes. Elles sont là. Et il a des grandes oreilles. Elles sont là. Il a les logos, les petits points. Tout va bien. On appelle quand même chez lui. Nyogda, est-ce que ton mari est là? Non. Allez hop, tac, c'est bon, ça rentre, merci. Ça fait 3 fois que je fais rentrer des gens. Hein. Oh, c'est bon! Ah bah du coup, toi je sais que c'est faux. Hein. Toi je sais que c'est faux, qu'est-ce qui va pas? Chognarfogne, la date, non? Attendez. Des rituels? Bah attendez. Non mais toi, c'est bon. Je sais que c'est pas toi, donc ça c'est bon. Voilà, bonjour. Ah non, toi aussi on t'a déjà fait rentrer, dis donc.
Qu'est-ce qui va pas sur ta date? Non, ça va, du sus Morel. Non, c'est juste qu'on t'a déjà fait rentrer. Alors attends, je vérifie quand même, 55-13. Abdusus est déjà à la maison, hein. C'est bien ce qui me semblait, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Allez hop, on nettoie. J'aime bien quand c'est comme ça que c'est facile et tout. Bonjour. Mais on t'a déjà fait rentrer lui aussi. Dis donc. Qu'est-ce qui va pas sur sa photo? Alors là c'est 63, nanani. Le logo, je vais appeler tout de suite pour... parce que je sais plus si c'est cette partie-là ou pas en fait. Hein. Donc on va appeler tout de suite le 4242 pour vérifier. C'est Teutat qui parle. Je savais que j'avais fait rentrer. Hein. Je savais. Donc hop, troisième d'affilée qui essaye de se faire passer pour un autre. C'est mignon. Bonjour. Oh, c'est qui lui? Ah oui, c'est celui qui pose des questions là. Last name of the man behind the true face of the mask must know to internet users. Je sais pas, Musk, Elon Musk? Je sais pas. C'est incorrect. Bon bah désolé monsieur. Goodbye. Bizarre, je l'avais jamais vu lui. Ah, oh mais non! Mais on vous a déjà fait rentrer vous! Qu'est-ce qui va pas ici? Des rituels, des trucs. Bon, attendez, j'appelle quand même. Deuxième étage, 51-23. Vous êtes pas ressorti quand même. Chognard nous parle. C'est une blague. Bon, là, le jeu est un petit peu plus facile. Heureusement, parce que moi, j'ai envie d'aller jusqu'au clown. Bim! 33-12. Allez, personne suivante. Ou fin du jeu. Ah non, clown. Ah, c'est le clown! Ça y est, c'est le moment qu'on attendait tous. Eh bien non, je peux pas jouer. Va-t'en. Attends! Bon, on m'a dit d'appeler le DDD. Hein. J'appelle le DDD. 33-12. C'est parti. 33-12. On va se débarrasser de ce clown une bonne fois pour toutes. Ça suffit. Je veux pas jouer avec ton jeu de cartes truqué en plus, tu triches. Oui, j'ai contacté le DDD, s'il vous plaît. Oh là là, non, qu'est-ce qui se passe? What? Je sais que c'est pas toi. Superbe! Non! Je veux pas jouer! Non! Mais je connais les règles. Bim. Bon, qu'est-ce qu'il a mis? Un 10. Je peux mettre ça, ça ou ça? Bah, je vais mettre ça. Hein. Ah bah, bien sûr, il joue aussi, lui. Je vais mettre ça. Ok, il a mis un 9. Bah, je vais mettre ça. Et bah, je vais jouer. Oh, j'ai gagné! J'ai gagné la première partie! Loulouloulouloulou! Allez, on y croit! Ok, il a mis un 8. Bah, je peux rien mettre d'autre qu'un 10. Vas-y, il m'a donné des cartes pourries! Il triche! Bon, heureusement que je peux mettre ça. Allez, hop! Ah! 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 Il tire! Ok. Vas-y! Tu peux pas jouer! Oh non! Il m'a donné une carte! Bon bah je mets la plus petite du coup. Il peut pas jouer! Attendez, je vais peut-être gagner. Oh, je vais gagner! Oh non! Il a mis un 10! Non! Bah vas-y, il triche. Je suis désolé, il triche. Oh, c'est pas possible. Allez, 5. Je mets égalité. Moi aussi, je peux mettre 5. Ça va, je vais mettre 8. Normalement, tu peux pas, là. Non! 4. J'aurais dû mettre 8, je le savais. Bon, c'est pas grave, égalité. Oh non, vas-y. J'ai que des... Ok. Bon. Très bien. J'ai que des lettres, donc je vais pas mettre les plus grandes, je vais mettre ça. Ok. Ça. Et moi, je peux jouer. J'ai gagné! Ouah! Bon, allez, faut... Tu as gagné cette fois-ci, mais il y aura d'autres opportunités. Oui! On va se rencontrer encore, je suis sûr de ça. J'ai gagné! Tu n'auras pas la même chance la prochaine fois. Je m'en fiche, va-t'en. Ouais, c'est ça. Bye. Reviens jamais. Oh, j'ai gagné le clown. Fermeture de la porte, c'est fini? Oui! On a gagné! J'ai gagné le mode Nightmare. Oh, je suis tellement content. Bon, j'ai capturé 5 doppelgangers, j'ai tué aucun voisin et j'ai fait rentrer aucun. J'ai un score parfait. J'ai battu le mode Nightmare.
Juste petit bonus, je vais voir maintenant ce que ça fait si on fait que des DDD. Donc c'est simple, dès que quelqu'un se propose devant moi, se présente devant moi, je le nettoie. Et on va voir que forcément je vais tuer des bons voisins. Et donc il va y avoir la tête qui va apparaître, vous allez voir. Je vais même pas chercher à comprendre, hein. Dès qu'il y a quelqu'un qui apparaît, c'est bim, tout de suite, j'appelle. Bon bah là en l'occurrence c'était un doppelganger, mais bon, on y va. Bonjour, au revoir. Je leur laisse aucune chance. Regardez, la tête apparaît. Ça c'est parce que j'ai tué un innocent. Et on va continuer, on va l'énerver la tête. Ouais, jusqu'à voir ce que ça fait. C'est parti, hop, c'est parti. Alors, est-ce que la tête va encore s'énerver? Pour l'instant... Ah, j'ai eu tellement peur. La tête ne nous fait pas de cadeau, hein. C'est un screamer jumpscare terrible. Pour se réconforter un petit peu, c'est l'heure de lire trois commentaires de la vidéo Les photos hantées, volume 2, qui vous avait beaucoup plu également. Noé me dit, salut Max, les photos font beaucoup plus peur dans cet épisode. Il y a souvent de la pareidolie, le fait de voir des visages là où il n'y en a pas. Beaucoup de photos m'ont fait rire, comme à 18,50, on dirait un gorille, cœur sur toi chou-fleur. Merci pour ton commentaire et merci pour l'info, c'est vrai que l'esprit a parfois tendance, et même souvent tendance, à voir des formes, des têtes, des visages, etc. dans des objets, dans des choses. Ça arrive très fréquemment, c'est parce que notre cerveau est conditionné à voir des visages humains, hein, parce que c'est le nôtre hein, déjà, et puis ceux des autres. Et donc, bah, on a tendance à les voir un peu partout, donc des fois ça peut faire peur, alors que c'est juste un arrangement d'objets qui fait que ça ressemble à une tête, mais c'est pas du tout une tête, évidemment. Esme me dit, hey Max, c'est trop bien quand tu fais des vidéos de visionnage de photos. Merci beaucoup, je suis content, content que ça te plaise et content que ça vous plaise, parce que vous étiez nombreux à me dire que ça vous avait plu. D'ailleurs, j'ai vu, hein, vous l'avez bien regardé la vidéo et tout, donc pourquoi pas refaire un autre épisode, pourquoi pas faire avec d'autres choses, hein, pas forcément des photos qui font peur, donnez-moi des idées dans les commentaires. Et Afking Process me dit, première fois que je retombe sur une vidéo de Max depuis 2020, j'étais triste, je ne le suis plus, juste le fait que cette chaîne ait gardé cette ambiance de l'ancien game YouTube, c'est fantastique, Max est incroyable, surtout ne change rien. Et bien voilà, ton commentaire me va droit au cœur et c'est vraiment, ça me fait tellement tellement plaisir, tu n'as pas idée, puisque bah moi c'est tout ce que je souhaite, hein, vous apporter de la joie, du bonheur. Alors si ça ressemble au YouTube d'avant, si j'ai pas rentré dans les codes de YouTube maintenant, bah tant mieux, parce que de toute manière moi j'ai toujours été authentique à qui j'étais, à ce que je faisais, donc du début à la fin de ma chaîne YouTube, je vais vous proposer des choses qui viennent de moi, du fond de moi, de mon cœur et de ma tête, donc bah voilà, si ça me ressemble, bah, tant mieux, et si ça vous fait plaisir, et bien tant mieux encore plus, donc merci à toi. N'oubliez pas, hein, laissez des commentaires, ça fait super plaisir, je les lis tous, donc je compte sur vous pour mettre plein de commentaires, d'ailleurs, dites-moi les anomalies que vous avez vues dans cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne avant de partir, regardez une autre vidéo de délire de Max, bien sûr, merci à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures, bye.